Oh mon Dieu, oh Seigneur, est-ce que c'est nous qui avons tué Jésus? Regardez Ali Bongo, il a une maladie qu'on appelle hémiplégie. Son un côté est paralysé. Cette paralysie peut atteindre même son cerveau. Malgré ça, il ne reste pas chez lui. Regardez. Oh Seigneur, oh la honte. Quelle honte pour l'Afrique. Mais malgré ça, il ne reste pas chez lui. Il devrait rester chez lui avec son âge pour que Macron se déplace pour aller dans son pays pour cette rencontre. Mais normalement, comme c'est un petit chien boiteux que la France ramène à la chasse pour leur intérêt personnel, donc ils utilisent toujours ce monsieur. Ce monsieur devrait laisser son poste à quelqu'un d'autre parce qu'avec cette maladie, il doit se reposer. Il ne devrait même pas gérer un pays avec cette maladie. Mais non, on le force à rester là puisque ce n'est pas nous qui gérons, puisque c'est les maîtres de l'Afrique qui gèrent. Voilà le maître en train de parler au petit chien. Le petit chien boiteux qui va ramener maintenant, qui va permettre de rentrer chez lui à la maison. Oh Seigneur! Quelle honte pour l'Afrique. Quelle honte. Je pense que c'est nous qui avons tué Jésus. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en Afrique et que Dieu ne réagit pas? Vraiment. Vraiment. C'est honteux. L'Afrique souffre. Et non, chez nous-mêmes là, les Africains, ils n'arrivent pas à réfléchir. Donc...